Bonjour et bienvenue à Santa Peau Noire. La plupart des mères veulent accoucher d'un bébé au teint clair. Mais cela dépend-il du régime que nous prenons pendant la grossesse? Il est très clair que le régime alimentaire n'est pas le seul facteur pour le teint du bébé. Les gènes sont la chose la plus importante qui compte. Mais si vous croyez que le régime alimentaire améliore le teint de votre bébé, vous pouvez ajouter ce qui suit à votre régime alimentaire. Je suis sûre que toute femme enceinte aimerait les inclure dans son alimentation. Qui ne voudrait pas avoir un bébé au teint clair? Mais avant de continuer, veuillez vous abonner ci-dessous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voici nos 7 conseils pour donner naissance à un bébé au teint clair. 1. Jus de citron vert sucré. Je prenais du jus de citron vert chaque jour de ma grossesse. Ma grand-mère a insisté pour que je le prenne ainsi pour avoir un bébé de teint clair. En conséquence, mon fils est plus clair que moi et mon mari deux. Lait de safran, c'est aussi le conseil de ma grand-mère. On pense que la consommation de lait de safran améliore le teint de bébé dans l'utérus. Mais ma grand-mère m'a aussi averti qu'une surconsommation pourrait conduire à un teint foncé chez les bébés. Alors s'il vous plaît soyez prudents. 3. Des oranges. Mon ami avait l'habitude de prendre des oranges sous forme de jus ou de fruits pendant sa grossesse. Elle me proposait de prendre des oranges pour la peau claire de bébé. Sa fille est aussi plus juste qu'elle et son mari. Même si cela n'aide pas à améliorer le teint, la fibre et la vitamine C sont bonnes pour la croissance de votre bébé. 4. Lait. Ils disent que s'ils sont consommés pendant la grossesse, vous livrez un bébé de teint clair. Le lait fait partie de la liste des blancs. Si vous croyez en ce mythe, vous pouvez le supporter avec joie. Le lait est riche en calcium et est bon pour la maman et le bébé. 5. Noix de coco. Le noyau blanc de la noix de coco aide à obtenir une peau claire pour les bébés. Après tout, il entre dans la catégorie des blancs. 6. Des œufs, un autre élément qui tombe sous les blancs. On dit également que le blanc d'œuf contribue à l'équité chez les bébés. L'un des aliments riches en protéines à prendre pendant la grossesse pour la bonne croissance de bébé. 7. Amandes. Les amandes sont surtout recommandées par les médecins pendant la grossesse. On dit que cela contribue à améliorer le pouvoir de la mémoire du bébé, en plus d'améliorer son teint. Assurez-vous de manger 4 à 5 amandes par jour pendant votre grossesse. Merci d'avoir regardé et avant de partir, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous.